protocole et installer les autorités des banques. Monsieur le secrétaire général au transport avec nos respects, messieurs les membres du cabinet de son excellence, mesdames et messieurs les délégués syndicaux de l'OGFM, mesdames et messieurs les membres du collectif des retraités de l'OGFM, secrétaire général adjoint sortant, mesdames et messieurs, directeurs, cadres et agents de l'OGFM, qui représentent notre autorité du tutelle, je voudrais citer. Avec votre autorité, avec votre autorisation, voici en quelques mots comment va se dérouler cette cérémonie. D'abord, je vais faire pour nous la lecture des deux procès-verbaux. Ensuite, il y aura échange des secrétaires entre les deux directeurs généraux, qui sera sans doute évidemment par des photos des. Directeur général et directeur général adjoint de l'Office de gestion du fret multimodal en abrégé OGFM. Le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93. Vu l'ordonnance numéro 17/040 du 13 juillet 2017, portant nomination des membres de la direction générale d'un établissement public dénommé Office de gestion de fret multimodal en abrégé OGFM. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement à son article 17. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 21/003 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21/0012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, deux ministres d'État, deux ministres délégués et de vice-ministres. Vu le décret numéro 09/63 du 3 décembre 2009, fixant le statut d'un établissement public dénommé Office de gestion de fret multimodal en sigle OGFM, spécialement son article 28. Vu le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013, portant statut de mandataire dans les établissements publics, spécialement son article 10. Vu la loi numéro 08/009 du 17 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en cet article 7, 10 alinéa 2, 13 alinéa 1er et 25. En exécution de la décision de la 58e session du Conseil des ministres du 17 juin 2022, consécutive à l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, relative à une nouvelle nomination pour assurer l'intérim à la Direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal en sigle OGFM jusqu'à nouvel ordre. Arrêt. Article 1er. Sont désignés respectivement directeur général et directeur général adjoint intérimaire de l'Office de gestion du fret multimodal en sigle OGFM, M. Kiyimpu Kinyosu et M. Justin Kamwanya Kalemuna. Article 2. Sont rapportées toutes les dispositions antérieures prises par l'autorité de tutelle contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général de transport, voie de communication et désenclavement est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 juin 2022, chez Ribé Okende Senga. Je me présente ici ce jour pour une raison particulière, c'est que vous venez de l'entendre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de la haute hiérarchie du pont. Et il a été décidé, comme vous venez de suivre, l'arrêté qui est la mesure d'exécution de la décision du Conseil des ministres de procéder au remplacement, au changement à la tête de l'Office de gestion du fait multimodal. C'est une décision qui date du 17 juin dernier, alors que nous étions encore en déplacement avec Son Excellence Monsieur le Ministre en mission de service à l'extérieur. Et à son retour directement, il a procédé à la mise en œuvre de cette décision. Et c'est pour que vous puissiez d'abord comprendre que l'OGFREM, c'est un établissement public qui a un rôle capital à jouer, non seulement dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des transports, qui est de l'apanage de Son Excellence Monsieur le Ministre, que nous accompagnons, mais c'est un instrument attitré et attendu par la haute hiérarchie du pays et le gouvernement dans l'ensemble pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Les cadres et agents de l'OGFREM doivent se sentir d'abord à l'aise et satisfaits, mais aussi gratifiés d'être reconnu par la sphère hiérarchique nationale et de tenir compte de tout ce qui se passe au sein de cet établissement public. Puisque ça porte de l'intérêt pour toute la nation. Si, en dehors de symbolique de cette cérémonie, je souhaiterais que vous, les cadres et agents, le personnel de l'OGFREM, vous puissiez garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que c'est un instrument important pour toute la nation et qui nécessite que vous puissiez intérioriser le rôle qui est le vôtre dans le développement de notre pays. Et qui ne nécessite pas aussi d'agitation ou d'un quelconque des agitations qui ne permettent pas que vous puissiez jouer effectivement ces rôles attendus par toute la nation. Il y a exactement 3 mois que je me suis retrouvé dans le même contexte au sein de l'OGFREM pour la nomination de Justin Camoigne, un de fils maison à la tête de l'OGFREM, et qui a pris à bras le corps son travail depuis son avènement à la tête de l'OGFREM. Et au niveau sectoriel, nous pensons que
les efforts entrepris durant les 3 mois vont devoir se poursuivre avec l'équipe qui sera maintenant dirigée par Kiyimpu. Un autre enfant ou papa de la maison, puisqu'il ne vous est pas aussi différent. Donc, c'est-à-dire que c'est de la complémentarité pour qu'ensemble, cette équipe étoffée, aussi de son expertise, ça puisse permettre à ceux, tous les l'élan, l'amorce qui y est en cours, puisse se poursuivre et aller au-delà. Nous attendons de vous, au niveau sectoriel, que le GFM puisse jouer réellement ce rôle de moteur de la mise en œuvre de la politique sur la logistique des transports dans notre pays. C'est un défaut que nous avons dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et nous pensons que le GFM est appelé à jouer ce rôle. Donc c'est pour vous appeler que cette cérémonie, en dehors de cette symbolique, ce ne soit pas que c'était déjà vu, c'est de la même chose qu'on répète, que ça puisse vous interpeller de telle sorte que vous puissiez réellement vous concentrer au travail qui est le vôtre comme agent et cadre de l'objectif. Les décisions de l'autorité politique s'assument et s'exécutent. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et je vous invite effectivement à vous mettre au travail et accompagner cette équipe. Et ce qui est important, c'est que vous êtes toujours les mêmes. Ce sont les mêmes figures au sein de l'OGFM. Comme par le passé, ce sont les mêmes généralement au sein de cet établissement qui assume généralement la gestion de cet établissement public. Donc je voulais vous mettre dans ce contexte-là pour que vous puissiez comprendre la symbolique de cette cérémonie avant de procéder à l'essentiel de cette cérémonie qui est une cérémonie de remise et reprise entre le comité sortant et le nouveau comité, donc c'est-à-dire la direction générale, puisque maintenant on ne parle plus de comité de gestion avec la nouvelle transformation des entreprises et des établissements publics. Voilà un peu ce que je voulais donner à l'introduction de cette cérémonie. L'adjoint de l'office de gestion du fret multimodal en abrégé OGFM. Subsidiairement aux notifications numéro 410/2022 et numéro 410/CAB/SG/TVCD/0414/6 numéro 8 avenue TSF dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la cérémonie de remise et reprise entre d'une part l'adjoint sortant de l'OGFM et M. Justin Kamoanya Kalemuna, directeur général adjoint à l'intérim entrant. Et c'est en présence de M. Dona Bagula Mugangu, secrétaire général au transport, voies de communication et de désenclavement. Les documents ci-joints, éléments saillants des directions centrales de l'OGFREM, font partie intégrante du présent procès verbal et portent sur les directions suivantes. 1. Direction des ressources humaines. 2. Direction du fret multimodal. 3. Direction du taux de fret multimodal. 4. Direction des études et planification. 5. Direction des facilitations et assistance aux chargeurs. 6. Direction de l'audit interne. 7. Direction des applications et nouvelles technologies de l'information et communication. 8. Direction de l'organisation et contrôle de gestion. 9. Direction des services généraux.
10, direction provinciale de Kinshasa, 11, direction financière et enfin 12, direction des affaires juridiques. Au titre des dossiers et projets en cours, il y a lieu de retenir ce qui suit. Signature des États pour le paiement de la gratification, laquelle pourra intervenir à compter de ce 15 juillet 2022 sur fonds propres. À ce sujet, une provision d'environ 1 200 000 $ américains a déjà été constituée et le complément sera pourvu par la trésorerie de l'Office suffisamment aisée à ce jour. Signature des États pour la rémunération du mois de juillet 2022 qui, comme ces trois derniers mois, devra être emplaché à partir de ce 20 juillet 2022. La trésorerie de l'Office les permet également. Trois développements en cours en Afrique du Sud, dit l'application de gestion de la commission d'intervention sur les frais maritimes. Une équipe de 7 cadres de l'Office séjourne en Afrique du Sud à cet effet. Les coûts de l'application est préfinancé par les mandataires Transcom Service. Merci beaucoup et comme à l'accoutumée, et toujours sur l'autorisation de M. le CG, il est d'habitude d'accorder la parole, même en votre autorisation, aux deux directeurs généraux, nous voulons d'abord accorder à M. le directeur général de l'EMS pour un mot de circonstance. M. le DG. Mesdames et messieurs, cadres et agents de l'EMS,
Ce n'est plus le moment de faire de grands discours. C'est peut-être le moment de commencer par adresser nos remerciements. Tout d'abord, aux autorités qui nous ont fait confiance il y a 3 mois en nous demandant de présider ou de citer le GFM de manière intérimaire. Plus particulièrement à son excellence, monsieur le ministre des Transports, Voies et Communications et Entreprises, qui nous avait désigné à cet effet. Et nous tenons encore aujourd'hui à les remercier pour avoir accordé notre confiance afin que nous puissions continuer à œuvrer au niveau de la direction générale de l'OGFM. Je tiens également à cet instant à remercier le président du conseil d'administration de l'OGFM ainsi que tous les administrateurs. Je pense qu'on a eu 3 mois de franche, sincère et fructueuse collaboration. On a eu un climat bon enfant qui montrait que la bonne collaboration entre les organes peut permettre qu'on puisse aller de l'avant pour les meilleurs de notre fils. Je tiens aussi à remercier mon frère, Théo Yamaya. Je crois que c'est vraiment un frère pour moi. Et nous avons travaillé comme deux frères de la l'Église. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. On s'entendait convenablement. Et en aucun jour, on a pu voir qu'il y a quelque chose, une friction entre lui et moi. Et j'ai savouré chaque instant qu'on a eu à travailler avec lui. Et je sais qu'aujourd'hui, même s'il doit le remplacer, il n'a jamais démérité. Il demeure un expert attitré pour cet office. Et je tiens à cet instant solennel à exprimer toute ma considération par rapport à ce qu'il est et à la façon dont on a eu à collaborer avec lui. J'aimerais m'adresser maintenant aux 4 agents de l'OGFM. Je pense qu'ensemble, en 3 mois, nous avons montré qu'il était possible de faire bouger les lignes. Nous avons montré qu'il est possible qu'ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Les plus importants, quand on confie les postes de responsabilité, on ne cherche pas les pouvoirs pour les pouvoirs, c'est de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est en mesure d'accomplir. Et on ne peut pas les faire ensemble, on doit les faire en synergie. Et j'ai admiré, j'ai savouré chaque instant que j'ai travaillé avec vous en tant que DG, votre collaboration. Je sais que je vous ai amené peut-être en erreur pour certains qui étaient assez élevés, mais c'est ma façon de travailler. Et j'ai été très content de voir que beaucoup se sont élevés à la hauteur de leurs attentes. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'en peu de temps, on a été ensemble capables de réaliser des grandes choses. Et je pense que cet élan, il ne faut pas les casser. Il faut les poursuivre. Parce que ce n'est pas seulement pour l'intérêt de l'OGFM, pour les faire aussi pour vous-même, pour montrer de quoi vous êtes capable, pour montrer de quoi vous pouvez être en mesure d'appliquer. Ce matin, lorsque j'ai clôturé la formation sur les chiquines, j'ai dit à ceux qui étaient là que nos experts qu'on a envoyés en Afrique du Sud, ils travaillent avec une forme constituée des générations de développeurs. C'est avec qui ils travaillent aujourd'hui, ils sont à la 4e génération. Mais ils ont été émerveillés par la compétence et la qualité des experts. Même vous tous ici présents, vous avez des capacités, vous avez des valeurs. Vous avez une contribution à apporter pour les maîtres d'office. Je vous demande de garder les cas. Je vous demande de regarder tout dans cette direction. Nous sommes une famille, nous sommes une famille OGFM. Comme je l'avais promis, je n'ai pas procédé à une chasse aux sorcières. Personne n'a été inquiété pendant que moi j'ai été directeur général de l'OGFM et ça continuera à rester ainsi. Éviter de faire des problèmes professionnels, les transformer en problèmes personnels. Le plus important, c'est que nous constituons une famille. Et nous devons continuer à travailler davantage pour le meilleur de notre fils. Quant au DG enfant, je lui souhaite la bienvenue. Je serai votre agent, sans complicité, ou même chercher à vous mettre le bâton dans les roues. Ce ne serait pas mon cas. J'ai accepté, quand j'ai été consulté, pour prendre ce poste de DG. Je crois que j'ai accepté en âme et conscience. J'ai pris toutes les dispositions pour que cette remise de reprise se fasse dans les conditions les meilleures et de façon les plus mandatoires. Ça, j'ai tenu parole. C'est toujours quelqu'un qui respecte la sainteté de ses promesses. Et je crois que ça va être ainsi et de collaborer avec vous. Considérant comme votre collaborateur, je vous donnerai les conseils, c'est à vous de les prendre ou de les considérer comme vous le voulez. Et en aucun cas, vous ne ferez pas faire une démarche pour dire voilà comment je vais remplacer. C'est pas ça. Je suis un fervent croyant et j'ai toujours pensé que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Je ne suis pas là pour chercher des propres engins pour des choses. Aujourd'hui, je suis à l'OGFM, c'est peut-être dans ma carrière la 2e entreprise où j'ai battu l'OGFM.
en 30 ans de carrière, la durée de vie moyenne pour moi est de 2 ans et demi. J'ai déjà changé 11 fois d'emploi. C'est à l'autre frère où j'ai fait 5 ans. De la même année, j'avais fait aussi 5 ans au Pirel. Le parcours, toujours 2 ans et 2 ans et demi. J'espère peut-être que j'ai encore quelques mois à l'autre frère. Mais demain, je ne sais pas quand l'air va m'emporter, où est-ce qu'il va me jeter. Je ne sais pas faire du mal à quelqu'un, même pas à une mouche. Je vous souhaite bienvenue et j'espère qu'avec votre sagesse, votre expérience, avec le peu que je peux apporter, nous pouvons encore aller de l'avant et améliorer les petits de nos fils. Plein succès et bon vent, les frères. Je vous remercie. Je ne serai pas très long. Je crois que le secrétaire général a décrit ce que doit être un agent de l'OGFREM. Et je suis content d'apprendre de la bouche du DG sortant tout ce qui a été fait comme merveille pour que l'entreprise puisse arriver à se tenir à un niveau normal. Et j'attends de tous les agents la même collaboration que celle que vous avez donnée à M. le DG sortant pour que notre entreprise puisse tenir le coup malgré les différents soubresauts. Pour moi, comme l'a dit mon prédécesseur, je ne suis pas venu pour faire la société. Je demande une seule chose, l'amour, la paix et le travail. Vous avez bien dit, on est une famille. Alors, restons une famille. Cette entreprise a une histoire. Et une histoire, par moment, quand j'y pense, fait couler les larmes. Mais nous avons tenu jusqu'à ce jour. Et c'est grâce à nos aînés qu'on a payé 12 salopards. Ces 12 salopards-là, ils ont travaillé jour et nuit, avec sacrifice et abnégation. Nous sommes rentrés dans le même jeu, très jeunes, avec sacrifice et abnégation. C'est parce que nous avons aimé notre entreprise. C'est parce que nous avons voulu qu'elle ne disparaisse pas. Ainsi donc, je vous demanderai à vous qui allez continuer encore à travailler ici, de toujours penser d'abord à votre entreprise. Chez nous, en Cunard, on dit le travail, c'est le papa, c'est la maman. Quand vous bousillez votre vie. Vraiment, je tiens à ça. Je n'ai pas beaucoup à vous dire de plus. L'amour, la paix, le travail. Merci. Merci, Philippe, vous avez la parole. Oui, je pense que c'est cette clarté là que nous voulons, que ça puisse régner comme le DG René Bellady à la tête de cet office. Que le joker continue à jouer ses rôles de fer de lance du secteur du transport. On a parlé de salopards ici, de 12 salopards. Effectivement, mettez-vous en tête. Et ceux qui ne savent pas, qu'ils puissent chercher, c'est que ça change. Je disais au DG, en tant que cet office, nous étions dans une phase et disparition de cet office il y a pas plus d'une décennie, je pense que les anciens savent, et ensemble on a lutté pour avancer les transformations de cet office, et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, et personne ne croyait que déjà les années 2000, que l'office de gestion du fret maritime à l'époque pourrait se vivre
que même les institutions internationales avaient déjà déconseillé à ce qu'on puisse faire disparaître le jeune frère. Et c'est très important que vous puissiez l'intérioriser et savoir que vous devez porter main forte à l'équipe ici présente autour de cette table pour garder à flot ces envies que l'office de gestion du fait du mandat. Les agitations doivent cesser. Je pense que Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, je sais ça, je l'ai répété, ça doit cesser pour que vous puissiez vous concentrer réellement au rôle qui est le vôtre. Monsieur le PCA, je pense que vous avez ce rôle-là de continuer à jouer aussi cette police et de donner la sagesse nécessaire d'encadrer l'équipe dirigeante comme l'a relevé les DGA durant l'état qu'il a passé à la tête de cette entreprise pour que cette entreprise continue à jouer son rôle. Monsieur Guillaume, je pense qu'on ne se connaît pas aujourd'hui. On se connaît depuis Berlin. Maya a travaillé avec vous pendant longtemps. Et nous pensons que votre avènement ici, c'est. Nous allons compter sur votre expertise. Tenez cette entreprise en bon père de famille, avec l'accompagnement de Justin Kamane, pour que nos jeunes frères puissent réellement se remettre au travail. Avec toutes les formations que vous venez de suivre, je pense que chacun a intériorisé ce qu'il doit faire. Je vous remercie. Le général bien salué, les deux directeurs généraux dans leur bureau, et c'est au niveau des 8e symboliquement. Vous allez partir avec les DG pour les bien saluer. Si la presse, quelques presse, vous pouvez déjà préciser les autorités. Et c'est là que les autorités prendront également leur cocktail. Quant à nous autres, nous allons rester ici au niveau du DG.